Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 9 octobre 2019 et les marchés sont vraiment super tranquilles. On cherche, on ne trouve pas grand-chose. On vient de trouver juste à l'instant un Riot qui vient de commencer un petit mouvement. Ça s'est passé après l'ouverture, grâce à 10h20 que ce mouvement-là a commencé. Mais c'est encore une tendance baissière, mais je vous dis, il n'y a vraiment pas grand-chose. Les ressources ne bougent pas beaucoup. En fait, tout est encore sur la Chine. Là, ce matin, le marché a monté d'à peu près 150 points parce qu'ils ont dit que la Chine était prête à accepter un accord partiel avec les États-Unis. Puis ils ont dit que la Chine s'attendrait à ce que, avec cet accord-là, les États-Unis enlèverait tous les tarifs, même ceux qui devaient prendre à entrer en vigueur là, très prochainement. Mais ça n'a pas vraiment été confirmé, cette affaire-là. Il n'y a plus grand-chose qui a bougé après l'ouverture. Regardez, le marché est resté flat là, tout le long, là, depuis que c'est ouvert ce matin. Là, presque pas de volatilité. Alors, même ça descendait, mais là, on est en train de remonter un petit peu. C'est la même chose aussi du côté des ressources. Il y a le pétrole qui a ouvert en hausse, après qui a reperdu après, les deux tiers. Puis là, on vient de revenir à peu près au même prix qu'on était. Les orifères, vous voyez, c'était en hausse et en baisse. Un peu de on a eu toutes les sauces ce matin, là, mais regardez, les titres sont beaucoup plus faibles que l'or lui-même. Les titres n'ont pas arrêté de chuter depuis ce matin. Donc, les secteurs n'ont plus de direction. Il n'y a pas de momentum haussier du tout. Presque pas d'acheteurs dans le marché. C'est vraiment super tranquille. Et puis, la Chine aussi envisage des restrictions de visa pour les ressortissants américains ayant des liens avec des groupes anti-chinois, a rapporté Reuters, citant des personnes connaissant la question, qui disent, bon, OK. Pas beaucoup de nouvelles. L'Arabie saoudite aussi a dit qu'elle reprendrait sa production. C'est pour ça que je trouve bizarre que le pétrole monte. Là. Ils ont dit qu'ils reprendraient leur production globale là, avant la fin de novembre.
Et puis, la nouvelle la plus cocasse du jour, messieurs, c'est que Johnson & Johnson doit verser, suite à une décision du jury de Philadelphie, 8 milliards en dommages et intérêts punitifs à un homme qui avait déjà remporté 680 000 $ pour la même raison, après avoir affirmé ne pas avoir été averti que les hommes utilisant son médicament antipsychotique Risperdal pouvaient voir leurs seins augmenter. Donc le gars, il a poussé des seins, puis il a eu 8 680 000 pour ça. Hey, mettez, posez-moi-en après-midi. Oui, moyen de les faire enlever après. Oui, puis donc, 8 milliards, c'est-tu assez ridicule? Puis l'autre nouvelle, c'est sur Just Energy, qui a vendu ses activités au Royaume-Uni à Shell. Puis Just Energy, il continue à descendre là-dessus. C'est tout ce qu'il y avait dans mes nouvelles aujourd'hui. OK, j'enlève ça. Je mets ici. OK. Bon. Donc, les marchés, vous avez vu, vraiment, ils font rien. Les ressources, ben, c'est la même chose. Le pétrole est revenu au point où il était. L'or revient à la barre zéro, mais les titres ouverts continuent à chuter. Donc, comme on peut voir du secteur énergie, la hausse de USO vient juste s'accoter sur le haut de sa résistance, en fait. Là. Donc, dans un 15 minutes, on va voir que c'est pas si haussier que ça. Hein? On est coincé là-dedans. Donc, vraiment, l'inversement, USO, là, ça commence à s'en à 11,30, 11,35. Le gaz, lui, reste quand même assez faible en direction de son support. Puis comme vous voyez, les titres d'énergie, ils font à peu près rien. Hausse ou baisse, là, c'est pas mal nul comme mouvement. Du côté des orifères, l'or, on attend toujours qu'il se passe de quoi, mais il se passe rien dans l'or. Puis là, les titres sont à la baisse, là, respectant toujours leur ligne de tendance, en situation surachetée. Donc, c'est pas prometteur à la hausse pour les titres orifères. Du côté des mines, ça continue encore en baisse, tout ça, là. Il n'y a rien de positif. Regardez, il y a l'IF qui vient s'accoter sur son support à nouveau. First Quantum menace de décrocher encore. Tech qui faisait des nouveaux bas ce matin. Champion aussi qui s'en va sur son bas de l'année. En tout cas, sur le bas des derniers mois, pas le bas de l'année. Le bas de août et de septembre. Puis tous les autres secteurs, là, il y a rien qui se passe là-dedans. Des petits rebonds, vous voyez, le service financier, ça mène nulle part, là, le petit rebond. Donc, c'est une formation complètement neutre. Dans les industriels aussi, c'est surtout CP qui a fait une hausse, mais vous voyez que ça signifie pas grand-chose. Là. Le marché est vraiment, vraiment neutre, en arrêt de mouvement, là. Il n'y a rien qui se passe. La consommation de base, c'est la même chose. La technologie, c'est la même chose. Donc, on est revenu dans une phase super tranquille des marchés. On a eu quand même plusieurs petits titres qui ont fait des petites envolées là, ce matin, mais rien de vraiment bien payant. Là. Vous voyez des mouvements comme ça ici, comme RTTR qui était beau, mais 38 cents à 42 cents, là, je te dis que c'est pas des si gros pourcentages que ça. Ça fait que, bien, marché super tranquille. Une question ici. Que pensez-vous de Soli, New York 500, avec MOY, moyenne de 16 piastres? C'est-tu bien Soli? S-O-L-Y. Soliton, 500, moyenne de 16 piastres. Ouch! Des belles recherches à venir. OK. Mais là, vous me parlez de fondamentalisme. Ils sont dans les. En tout cas, ça dit qu'ils sont dans les équipements médicaux, mais toute tendance est baissière encore là-dessus. C'était fatigant quand il est venu traverser ce gros support-là. Mais là, la chose est sauvée. JP. Bien, il s'en retourne à la hausse, mais tu sais, c'est dans une formation vraiment complètement neutre. Donc, à partir de juste en dessous ici, là, à partir de en bas de 10 $, par contre, ça ne serait pas vraiment le fun parce qu'il y a quand même pas mal d'espace encore en dessous de tout ça. Donc, on va vous souhaiter que le titre va repartir, un peu de patience. Au moins, on est rendu avec un triple support. Ça devrait le retenir en attendant peut-être qu'ils arrivent avec leur fameuse découverte. Là.
CUF.UN, achat 13,39. Il vaut 13,82, mais là, il a fini son cycle. Parce qu'il reste à l'intérieur de la même journée, OK, d'hier. Donc là, ici, là, ça devrait être le début de la... Ça, c'est techniquement le début de la phase neutre. Et puis, c'est pas un énorme profit. Vous êtes à 13,39, là, ce qui est ici, OK? Donc, en fait, le point d'inversement serait 13,60. Puis vous seriez encore à profit s'il traversait là. La question est, bon, est-ce que vous voulez le laisser aller jusqu'à 13,60 ou plutôt qu'à 40, à 13,90, là, vous faites un 40 cents. Moi, j'irais quand même avec un profit de la moitié, puis je ne rembarquerais pas là-dedans, à moins qu'il remonterait à 13,95. Puis donc, la moitié ici, la moitié à 13,60. Puis si jamais il trappe le 13,60, ben on gardera les petits profits. J'ai acheté ADT à 40,56. ADT. ADT à Toronto. J'ai pas de ADT à Toronto. Ça doit être une erreur quelque part, Denis. Pardon? Je comprends pas, Max. Ben lui, il est marqué Toronto. Puis ça ne correspond pas, le prix. ADT sur le marché américain. ADT, c'est un titre qui vaut 6$. Là. Il n'a jamais été à 40$. Donc, c'est une erreur de symbole ici. WDO. West Dome, un bon achat, 6,65. Non, c'est pas bon, l'or, là, pas en tout. Regardez, les aurifères sont à la baisse, là, l'or veut pas décoller, coincé là-dedans, risque même de décrocher ici. Regardez les titres qui ont pris de l'avance sur le prix de l'or. L'or est là, mais les titres sont ici en bas, donc ça décollera pas. Il passera pas sa résistance, West Dome. Il l'a fait à l'ouverture, juste avant la fermeture hier, mais depuis ce matin, regardez, il est en baisse, là. Donc là, il risque de, en bas de 6 et 20, c'est un signal de vente même. Bonjour Michel, votre avis sur PRQR? C'était un de nos day trades ce matin, PRQR. Qui décollait, on l'avait dans nos top 5 intra-séances. Bon, vous voyez, là, ici, il s'est stabilisé à ce prix-là, entre 7 et 20 et 6 et 90, mouvement qui est quand même très, très clair. Donc, prochain point de décollage sur ça, c'est 7 et 20, 7 et 25, à peu près. OK? On fait une petite pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Oh, bon retour. Excusez, j'étais en train d'étudier la question. John, quand vous parliez de PRQR, vous dites, in seulement s'il ferme la journée, mais ça, je ne vous comprends pas. Au-dessus de 6,85. OK, d'accord. Mais en fait, 6,85, il était toujours dans son même cycle, là. C'est plutôt 7,20, 7,25. OK? Puis, out à 8$, ça aurait bien de l'allure aussi.
quels sont les meilleurs titres pour profiter d'une hausse éventuelle de l'or? Bien, il y en a beaucoup, là, mais une hausse éventuelle, il faudrait qu'elle soit là, OK? Parce qu'elle n'y est pas, là, la hausse éventuelle. Sur l'or, on est reparti de l'autre côté. Donc, c'est vraiment lorsque TTGLD va passer 143,25, puis les titres aussi, c'est la même chose, c'est sur un nouveau haut qui inverserait la tendance, là. Donc, c'est 253 pour TTGD. Puis les meilleurs, bien, c'est ceux qui ont le mieux performé au cours des derniers temps, OK? Donc, je dirais NovaGold, Wisdom aussi, mais tout ça, c'est seulement lorsqu'ils vont traverser leur résistance. Il y avait lequel que j'aimais aussi, Center Gold, parce que c'est lui le plus fort dans le secteur. Il est complètement à son haut. Donc, lorsqu'il se sera stabilisé ici et qu'il redécollera à nouveau vers les 12,95-13. On va retourner voir qu'est-ce qu'il fait, lui, s'il bouge encore. Là, tantôt, j'avais Hive, puis j'avais Riot qui bougeait, mais là, ils n'ont pas l'air d'avoir vraiment continué. Bon, c'est ça, rendu à cette résistance-là, là, on dirait que son cycle est fini. Donc, là, ça va prendre une pause en bas d'une 90, puis un nouveau décollage au-dessus d'une 90. Bonjour, 300bam.pr.k. Oh boy, ça, c'est rare qu'on rencontre des gens qui possèdent ces stocks-là. BAM.PR.K, c'est une privilégiée, ça. Ça ne devrait pas avoir grand volume sur ça. On va diminuer ce volume-là et ce volume-là. Bon. Il a déjà fait 90 000 pendant quelques jours ici, mais tu vois, aujourd'hui, là, ce titre-là, il y a 2 000 de fait. Je pense vendre 150, payer 10,30. Ben, il vaut 10,39. Moi, j'étais vous, je lâcherais ça de là. Premièrement, c'est une tendance baissière. Deuxièmement, ça se transige à peu près jamais, là, cette affaire-là. Puis, ça n'a pas l'air vraiment très intéressant. Moi Marcel, là, je lâcherais ça. TH à Toronto. Terra. Technologie. Achat TH à quel prix? Ben, c'est pas demain la veille. C'est pas aujourd'hui la veille, en tout cas, parce que il va vraiment pas bien, là, Terra Technologies. Et vous voyez qu'il a traversé une très importante zone de support ici cette année. Et puis depuis ce temps-là, ben, ça va pas très bien. Il fait des petites poussées à la hausse, mais là, il fait des nouveaux bas. Et là, il vient de graffiner à travers un autre support de 1, 2, 3 mois. Je vois pas quand est-ce que ce titre-là va revenir intéressant. Pour l'instant, même si entre 5 et 6, c'est 20 %, là, il inversera pas sa tendance tant qu'il reviendra pas à 6, puis qu'il décollera pas au haut de 6. Puis encore, là, il est pas mal décousu, là, son graphique de ce temps-là. Je ne mettrai pas ça. Jean dit, c'est le calme avant la tempête. Peut-être, mais tu sais, c'est jasé pour jaser, là, parce que c'était pas stable à prédire. Point d'entrée pour Visa. V. Bon, ça va prendre quand même un bon bout de temps, j'ai l'impression. Vous voyez, là, il est dans une formation à peu près similaire à celle qu'on avait connue là, en 2018. Là. Fait que c'est tout le secteur qui est comme ça, en fait. Visa est plus fort que son secteur, mais pour l'instant, il n'y a plus aucune direction là-dessus. Là. OK? Il y a vraiment une grosse résistance ici. Il est sur une grosse base de support aussi en même temps, avec comme quasiment zéro potentiel à la hausse. Là. Ça va être difficile à traverser là, ce sommet-là. Si on regarde l'indice des services financiers aux États-Unis, c'est à peu près similaire, mais excepté que l'indice a beaucoup moins monté que Visa. Mais dans le moment, c'est ce que l'indice fait aussi. Donc, ça, les chances que les services financiers viennent faire un nouveau sommet au cours des prochaines semaines, elles ne sont pas bien fortes. Avons-nous assisté à une bulle avec LSPD? Ben c'est, oui, en fait, c'est pas le seul à avoir connu des bulles de même, là, mais écoute, cette hausse-là est rendue pas mal sur l'autre bord. Là. Nous, on a sorti de cette position-là. Je vais enlever ça. Bon.
Et puis, mais tu sais, des tendances, ces genres de titres-là sont capables d'être cycliques, là, hein? C'est dans les logiciels. Donc là, la tendance s'est inversée ici quand le titre était à 38$, mais il n'y a rien qui dit qu'il ne va pas reprendre encore une autre tendance haussière un jour, mais ça, c'est quand il va vraiment l'inverser. Ça fait que là, dans le moment, vous voyez, il y aurait le côté intéressant, ce serait à 31,25$ quand il inverserait ce cycle-là. Il y aurait de quoi aller chercher probablement à très court terme, jusqu'aux alentours de 34. Bonjour à tous. Bonjour David. Achat HOU 4,92$. HOU. Il vaut 5,16$. Vous faites 24 cents. Donc, à peu près 5%, parce que vous l'avez déjà, OK? Donc, il est quand même positif, là, HOU, il fait pareil comme USO. Là, dans le moment, il fait comme une tentative de traverser de cette zone de résistance-là ici. Donc, la partie va être un petit peu gagnée si votre HOU pogne 5,25, parce que là, il y aurait des chances de monter encore jusqu'à 5,75, OK? Donc, vous êtes à 4,92, ce qui n'est pas loin, là, tu sais, c'est juste là, OK? Donc, au minimum, vous pourrez mettre un stop à votre prix payé, puis là, je laisserai aller pour le reste. ROQ, acheté 16,16, j'ai entendu parler de ça, moi, tantôt, ROKU, qui était en élan, je pense. Oui, c'est ça. Il y a un petit quelque chose qui ne marche pas ici, là. ROQ, acheté 16,16, le stock, il vaut 110. Ça ferait-tu si longtemps que ça, vous avez ça? Il a jamais été plus bas, il a jamais été plus bas que 18. Donc, c'est votre prix qui n'est pas bon, là. Je ne sais pas trop, là. En tout cas, écoutez, peu importe le prix que vous l'avez... Acheté 16,16, trop tôt. Je ne catche pas votre question, Guy. Ça ne correspond pas le prix, puis vous dites acheter 16,16, je n'ai jamais été à ce prix-là, à moins que. Et puis là, vous dites trop tôt, je ne catch pas. Par contre, aujourd'hui, c'est un élan haussier sur ROQ qui inverse son cycle baissier. Donc, en principe, puis il a quand même bien fonctionné depuis ce matin, en faisant toujours des creux plus hauts, puis en continuant toujours son cycle. Ça m'apparaît quand même pas pire comme mouvement là, pour le stock. Là, il est beau. Pensez-vous que l'or parte en hausse demain, vendredi, suite à la guerre commerciale? Impossible de prévoir ça, Diane. Qu'est-ce que l'or va faire demain? Pourquoi plus demain qu'aujourd'hui? L'idée, c'est qu'on... même si on pensait que oui, il faut quand même attendre de voir que le mouvement va se passer. Acheter la veille en prévision que ça va monter le lendemain, c'est pas nécessairement la meilleure des stratégies. Le M veut dire ATD.B à Toronto. Encore une fois, là, je veux pas... des fois, les questions sont pas claires. C'est pas clair, en tout cas, là, votre question. Mais ATD.B, il n'y a rien à faire avec ça. Il n'y a pas de potentiel à la hausse. Puis à 39$, il y a un signal de vente. HASU 37,75. SU, Suncor. À vendre ou garder? Il vaut 38,80. Nous, on a une position short là-dessus, OK? Là, vous l'avez acheté 37,75. Vous êtes à profit. Puis là, bien, vous voyez qu'il a l'air à vouloir revenir par en bas, là. OK? Il a comme inversé sa petite montée d'aujourd'hui, là. On va remettre ça juste en minutes, OK? Donc, vous êtes à 37,75, ce qui est quand même assez bien, là. 38,75, votre prix de revient est à peu près en bas ici, là, OK? Donc, moi, je prendrais un profit immédiatement là-dessus. Puis s'il vient à décrocher encore plus bas, ben c'est la décision de... c'est à quel endroit que vous le vendriez, OK? Moi, je pense que je prendrais un profit de suite, puis étant donné que s'il décolle là, il reprend s'il décroche en bas de son support, il se trouve à reprendre sa tendance baissière intra-séance, que je mettrais un stop à 38,85 ou 38,90 pour le reste.
Je cherche un nouveau courtier en ligne qui offre des transactions sur actions au Canada à moins de 2$ pour investisseurs actifs. J'ai trouvé Wet Sample Trade qui offre depuis quelques mois. Mon Dieu, veille longue votre question. Sur actions à 95 cents, il offre depuis un certain temps les FNB sans frais. Connais-tu d'autres courtiers en ligne au Canada qui offrent des transactions sur actions sans frais? Oh, écoutez. C'est pas quelque chose que je fais le tour à tous les semaines. Là. Mes comptes de courtage, on change pas souvent. Vous avez vu que j'ai perdu le fil de sur qui charge quoi là. En fait, c'est à vous à faire le tour de ça. ATD.B couche tard, acheté 40,56. Bon. C'est à 40,56, mais à 39, le 39,5, ce serait un point de vente. Parce que là, il briserait son support et il se rendrait à votre prix payé. Là, dans le moment, il vaut... Oh, vous l'avez à 40,56. Bon, bien, regardez, il reste pas grand-chose comme profit là-dedans. Hein? Le support est là. Regardez en dessous ici, là. Oups, je vois pas grand-chose là-dedans. Attends un peu. On va en mettre moins. On va le mettre en 10 minutes. OK. Donc, on voit que c'est 39,90 son point de sortie. Mais vous êtes à 40,56, qui est juste en dessous du support qu'il y a là. Donc, moi, ce que je pense, c'est que vous devriez au minimum mettre un stop au prix payé. Là, il vaut 40,80, mais votre prix est ici. Donc, si jamais il rechute en direction de son support, vous allez passer à perte quand là, vous êtes à profit. Donc, moi, je mettrai un stop au prix payé. J'ai NSP à moyenne de 12 cents. Naturally Splendid. Là, il vaut 8 cents, puis il ne fait pas grand-chose. Y a-tu des chances de faire un petit rebond? Oui, mais ça sent pas bien bon, là, cette affaire-là. Hein? Puis je parle pas de l'odeur du cannabis, là. Mais il y a quand même des chances de rebondir un peu, mais il rebondit pas souvent de ce temps-ci. Ça fait quand même depuis le début de juillet là, qu'il continue à glisser. Donc, dans le dernier signal de vente qu'il y a eu, c'était justement là à 12 cents. Là, vous êtes à 8 cents, bien, vous faites quand même une grosse perte. J'espère que vous n'en avez pas beaucoup, mais j'ai l'impression que ça va dormir un grand bout, cette affaire-là. HRX Hero. Devrait-il un bon achat? Actuellement, je ne tiens pas le titre, mais j'envisage un achat. Merci pour vos conseils. André, pour l'instant, il n'y a pas de signal haussier sur ça. Le titre est toujours quand même, on peut dire, dans sa tendance haussière, même si c'est un peu fatigant de voir sa formation un peu négative ici. Mais moi, je suis à vous, je n'achèterai pas ça avant qu'il passe les 17,50, 17,60. Avec une perspective jusqu'à 20$. GWO, ton opinion pour un achat, c'est Great West. Je ne sais pas si lui est en élan, mais j'en avais quelques-uns qui chutaient ce matin. Hier, il n'était pas positif, là, et il ne revient pas du tout. C'est que s'il reprend par en bas ici, ça va lui donner un couloir comme ça, là. OK? Donc, il a déjà inversé ce cycle-là. Fait d'ici, il n'est pas vraiment intéressant, Great West. Il est même plutôt un petit peu risqué. Regardez dans les services financiers pour l'instant, quand on regarde les autres, tiens, j'ai dans les assurances, puis dans les mêmes affaires dans ce mouvement-là, les titres sont à peu près tous semblables à Great West, OK? Même que c'est pas lui le plus fort, parce que les autres, ils poussent un petit peu plus fort que lui. Donc, moi, je ne l'achèterais pas, en tout cas. HGD, puis si vous l'achetez, bien, ce ne serait pas avant 30 et 75, mettons. HGD, un go à quel prix? Bon, bien, pour ça, il faut voir l'or décrocher, OK? Parce que là, pour l'instant, l'or n'est pas décroché. Les titres ont chuté, mais regarde, si vous auriez acheté HGD ce matin pendant qu'il s'en allait à l'envers de l'or, bien, vous seriez fait pogner là parce qu'il vient de remonter quand même un bout, OK? Donc là, dans sa tendance à la hausse, là, ici, HGD pourrait être intéressant lorsque il va, si
Tout simplement, les titres rechutent. Mais on voudrait que les titres soient en tendance baissière, chose qui n'est pas présent dans le moment. Oui, ce matin, les titres de Rivière descendaient, mais sont toujours dans leur tendance haussière, en dessous de cette résistance-là. Mais regardez, il faudrait au moins là, que TTGD vienne chuter ici à 247. OK? À 247, au moins, là, le support ici serait brisé et puis la tendance serait inversée. CM à Toronto, Banque de commerce. CM. Même chose que la plupart des autres titres, le secteur financier n'inverse pas sa tendance baissière. C'est sur le point, mais sur le point d'inversement, mais c'est pas encore fait. Moi, je dirais, regarde, c'est 107,90 que le prix est dans le moment là. Ben, faudrait qu'il vienne se stabiliser à 108,30 puis décoller à 108,50, 75, quelque chose du genre, parce que tout le secteur financier est comme ça, OK? Donc, ça prend le coup d'envoi du secteur. Encore le temps d'acheter d'autres Fiera Capital, FSZ. Pourquoi en acheter d'autres? Et réussi 1000 à 10,36 en attente pour un autre 1000. OK, je comprends pas votre terme « et réussi 10,36 », là. Quoique vous êtes à profit à 10,44, là, vous faites 8 cents, OK? Ce qui c'est pas un profit hallucinant, OK? Mais le titre, il n'est pas positif, là. Il a rebondi un petit peu sur son gros support à vie, mais il est sur son plus bas des 5 dernières années. Donc, moi, je n'achèterais pas ça, à moins que le titre se stabilise à 10,75, puis que là, après, là, il vient inverser sa tendance. Moi, j'achèterais ça seulement qu'à 10,80, 10,90. Et pour l'instant, je me contenterais de mettre un stop sur vos 1000 à votre prix payé ou légèrement plus haut. Salut, Michel. Doll semble vouloir décoller. Pensez? Non. Il faut juste rebondir comme le marché a fait ce matin. C'est tout. Il n'est pas encore décollé. Et puis, vous voyez que la tendance haussière a été inversée, là. Donc, ici, ce serait vraiment prématuré d'acheter dans le moment quand qu'il y aurait un signal de vente assez terrible ici, là. OK? Puis à la hausse, bon, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de potentiel, là, parce que ce serait un achat à 49, puis son top est à 52. OK? Donc, il y aurait un potentiel de 3 piastres qui est dans les orientaux, plus 7 %. Puis ATD.B, 344,80, bien, toujours la même chose. ATD.B, il y a un signal de vente à 39. B. OK? Qu'on avait montré tantôt, là. Fait que, donc, pour l'instant, vous conservez tout ça, vous mettez un stop à 39, 39,5, genre. SLF, analyser le titre pour un achat. C'est la même chose que tous les autres services financiers. OK? Ils font tous le même patron dans le moment. Ils sont dans une phase neutre. Puis s'ils venaient qu'à chuter par en bas, il y aurait un signal baissier ici. Donc, il faudra attendre de voir que le secteur financier est vraiment reparti. Parce qu'il est vraiment haut, le secteur financier, là, OK? Puis il est en correction. Donc, la possibilité de plus de correction est vraiment possible là, dans le moment. FSZ, à quel prix le prochain signal? FSZ. C'est toujours Fiera Capital. Bon, c'est ce que j'ai expliqué tantôt. Une stabilité à 10,75 puis un décollage 10,90 environ. BEP. BEP. Brookfield Renewable. Oh, à Toronto, BEP.UN, pas la même chose. BEP.UN. OK, pas le même prix. Bon, mon opinion pour un achat, ben moi, je trouve que c'est un cycle haussier bien trop avancé. Tout simplement, le titre est fort, de toute évidence, mais après autant de jours de hausse, après que le titre est parti, il a monté à peu près de 15 % depuis son creux,
C'est, oui, un titre fort, mais moi, j'aurais peur à la correction. Normalement, on embarque dans le début d'un nouveau cycle, mais il n'y a rien de tout ça qui se passe dans le moment. Moi, je pense qu'il y a quand même des bonnes chances que le titre ait atteint le sommet de son cycle, d'après ce que je vois ici. BCE, prochain point d'entrée. BCE, pas clair. Pour l'instant, parce que dans le secteur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, dans le secteur des télécoms, il y a Rogers qui est en élan baissier hier, puis continue à chuter. Puis en plus, il est traversé en tendance, il a inversé sa dernière tendance ici, tandis que BCE, lui, est au top, puis TELUS entre les deux. Donc le secteur, il fait comme tout est différent. Les trois titres du secteur sont différents. Donc, ici, le prochain, ce serait 65 piastres. 65 et des poussières, le point d'entrée. ENB, potentiel pour un achat. Bien, moi, je ne l'aime pas, ENB. Là, c'est un titre qui est baissier depuis longtemps. Enbridge. Enbridge. Qui, parce que dans son graphique à long terme, là, il est toujours en dessous de sa tendance à long terme. Ici, il y a eu une possibilité d'inverser sa tendance, là, mais c'est comme pas évident qu'on est reparti de l'autre bord. Là. Je trouve, puis regarde, ici, il est encore descendu, remonté. Il est bien difficile à saisir, mais je trouve qu'il est pas intéressant. Il est juste trop négatif dans son long terme. OK? EXE à Toronto. Extended Care. Bon. Qui était en feu hier. OK? Il y avait un bel élan haussier hier. Il a passé une triple résistance. Donc, là, il est un petit peu avancé, mais c'était un signal d'achat. Hier, le titre, quand il est passé ici, vers 10 heures le matin, à 8,95. Là, ben, il est juste un peu pas mal avancé dans son mouvement. Fait que si vous l'achetez, ce serait comme à 9,45, mais il faudrait peut-être une protection à 9,25 parce que vous ne pouvez pas dire, OK, je l'achète ici, puis je vends s'il vient briser son support-là. Ça fait bien trop loin, bien trop une grosse perte. Là. TCS. Pour un achat potentiel, sais-tu bien ça à Toronto? TCS, oui, TCS Texas. Pas un stock recommandable, ce titre-là. Pour simple et bonne raison, c'est que premièrement, il n'y a presque plus de potentiel. Il va arriver à son haut. Deuxièmement, il n'y a jamais de volume là-dedans. Regardez, aujourd'hui, il s'est transigé 1500 actions. Regardez l'écart entre le bid et Nasdaq, OK? Le bid et Nasdaq, dans le moment, il est 15,93, 16,15. OK? Il y a 22-23 cents entre le haut et le bas. OK? Ça fait que, vous achetez 1000 actions de ça, il y a 250$ entre le haut et le bas, entre le bid et le ask quand il vient le temps d'acheter ou de vendre. Fait que ce genre de titre-là, là, on se tient loin de ça. Que pensez-vous de PNC à Toronto? PNCB. PNC.B. Une autre affaire, ça. Bon, pourquoi? Je ne comprends pas les gens qui sortent ces stocks-là là, aujourd'hui. Il n'y a rien d'intéressant dans ce stock-là. Il y a des 900 actions transigées aujourd'hui. Mais son graphique est vraiment l'air fou. C'est du pur hasard. Regardez encore une autre fois ici. Regardez les titres qui n'ont pas de volume. Les acheteurs sont à 1,61, les vendeurs à 2,67. OK? Tu sais, si vous l'achetez là, vous payez 2,67, mais si vous le vendez 5 minutes après, vous le vendez à 1,60. C'est une pièce moins chère. Vous voyez que c'est vrai que ça n'a pas d'allure ces stocks-là. Je vais juste repositionner ça un petit peu ici, comme ça. OK. KUT, est-ce un achat? KUT. Entre autres, c'est des choses qu'on vous explique dans les cours. Vous savez, je vous ai mis tantôt l'annonce sur les cours. Puis là, justement, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Je vous envoie une autre pause. On finit les questions. On essaye de finir les questions après.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Ce que je vous parlais, ben, aujourd'hui, c'est l'émission publique quand même. Il y a toujours des nouvelles personnes. N'oubliez pas, on a nos cours, sont le 22 et le 29, le cours de swing trading le 22, le cours de day trading le 29. On a un super deal pour vous si vous n'êtes pas encore client chez nous. Vous consultez notre site Internet sur decisionplus.com. Vous allez avoir tous les détails, là, mais vous avez nos logiciels au complet, vous avez des données, tout ça. Jusqu'à la fin décembre, et, les cours, les émissions, tous nos services, Guru.tv et tout ça, vous avez tout l'ensemble de nos produits pour un petit prix et pour 3 mois. Là. Ça fait que ça couvre, ça fait vraiment pas cher pour faire votre entrée. KUT, est-ce que c'est un achat? Non, pas pour l'instant, surtout parce qu'il a inversé sa tendance, mais encore, c'est un autre titre pas intéressant, ça. OK? Regardez aujourd'hui, 33 000 de volume, là. Ça fait que, donc, c'est... Puis les titres qui font pas de volume, là, regarde, ça fait des petits graphiques moustachés comme ça. OK? Fait que c'est pas vraiment le meilleur, mais dans le moment, il y aurait pas de signal d'achat avant qu'il traverse la ligne de tendance et la ligne de résistance qui est ici. Donc, le prix d'achat serait environ 95 cents. Là. RCH à Toronto, c'est Richelieu. Bon, il s'approche de son sommet, de sa résistance très importante. Il est l'inversement de sa tendance baissière. Donc, il y a fort à parier que le titre va demeurer sous cette double résistance-là. Là. Il va monter jusqu'à 27$, mettons, le 27 et 25 environ. Mais ça nous prendrait une pause en haut, suivie d'un autre décollage. Donc, c'est vraiment cette résistance-là, elle est très importante et ça va être à 27 et 60, le point d'entrée. Désolé, le prix d'achat de Roku était de 116 et 16. Ah, OK, là, ça a plus d'allure. ROKU, 116 et 16. Là, il vaut 116 et 90. Donc, votre baisse, c'est de y aller avec un stop puis de le laisser aller parce que c'est un tout début, OK? Donc, si... le titre, attends un peu, je vais le mettre en minutes, tiens, on va voir tout son mouvement d'aujourd'hui. Bien, donc, vous êtes à 16 et 16. Cette tendance-là en intra-séance pour aujourd'hui, elle serait inversée lorsque les supports seraient traversés. OK? Mais vous êtes à 116 et 16, puis même son premier support qui est ici est à 116 et 28. OK? Donc, vous n'avez pas vraiment une grosse marge de manœuvre. Moi, j'étais vous, je mettrais quand même un stop au prix payé. MTY Food Group. Je ne détiens pas le titre, Serge. Il y a eu quelque chose d'assez bizarre sur ce titre-là. Il a fait un signal de vente qui n'a pas été... Bon, j'ai perdu mon affaire. Il a vraiment donné un signal baissier, donc un signal de vente, puis le lendemain, il donne un signal d'achat, puis ni un ni l'autre a été bon. C'est assez
plate, là. Mais ça, ça arrive souvent aussi, encore une fois, dans des titres à faible volume comme ça. Lui aussi, il a 27 000 de volume aujourd'hui. Quand il fait, une fois de temps en temps, il fait un volume de 200-300 000. Donc, en principe, techniquement, le point d'achat, c'est sur l'inversement de la tendance ici, à 66$, qui serait le point d'entrée, mais c'est un titre que j'aime pas. J'avais du PACV à 19 cents. À 19 cents. J'ai vendu ce matin à 15 cents quand j'ai trop peur qu'il casse par en bas. Ben oui, il est déjà cassé, en fait. Il a déjà inversé sa tendance ici. Puis, oui, il y a à peu près juste des chances de continuer, je pense. Ben oui, je pense que vous avez bien fait. Pour les personnes qui cherchent des courtiers d'escompte sans frais, faites attention, pensez à 1987 quand il y a trop de joueurs et que l'on attire en bourse. Le crash est pas loin, c'est mon opinion. OK, on respecte votre opinion, Billy. Mais je pense pas qu'on est la veille d'un crash, là. Est-ce trop tôt pour acheter ERX? ERX dans les pétrolières, là. ERX. Oh, c'est le 10. Trop tôt pour acheter ERX. J'ai ERX là, puis il me semblait que j'avais un ERX à ton retour, mais je me suis trompé. En tout cas, si c'est bien celui-là, là, c'est une direction que j'ai ici. Il est complètement survendu, ça c'est clair. Il pourrait faire une passe de jusqu'à 18,5, mais avant ça, il faudrait qu'il décolle à 14,5. Hein? C'est bien ça, parce qu'il n'a pas de ERX à Toronto, c'est ça. Le point d'entrée pour Nutrien. OK, Nutrien, on va trouver ça là. À Toronto. Ça pourrait être considéré là comme un point d'entrée, malgré que c'est pas l'excellence même, là. Mais regardez, 65 et 28, mais il y a un prix de vente à 65, à 63 et quoi, là? Même avant ça. Il est parti par en haut quand même, là, mais tiens, 63 et 90, OK? Là, il est quand même, il essaie de changer de bord ici, là, mais on voit que c'est pas encore tout à fait passé. C'est un bien petit volume. Je suis comme pas bien confiance qu'il y aille, mais écoutez, il y a des chances de remonter jusqu'à 69$ dans son mouvement là, de tendance neutre. Mais encore là, il faut vraiment avoir envie d'acheter pour faire un trade comme ça. C'est un trade sur un support que vous l'achetez, vous espérez qu'il va remonter à la prochaine résistance, mais vous le vendez s'il tombe en dessous du support. Mais personnellement, je ne ferai pas ça. SPB. SPB. Supérieur plus. Point d'entrée à l'inversement de la tendance. Seulement le seul point qu'on pourrait acheter ça, 12,5$. CRT.UN. C'est normal avec le marché qu'on a là. Bon, lui, il a brisé sa résistance ici à 15$. Il est slow-mo, il monte tranquillement. Il a un peu plus de volume que d'habitude. Si on enlève les gros là, on va bien le voir. Surtout si je baisse ces deux-là aussi, puis celui-là. Donc, on voit que les volumes sont comme revenus ici, là. OK? Mais il est en traversée de tendance, mais il y a une autre grosse résistance ici de tous les temps pour ce titre-là, là, à 15,65. Fait que ça, il laisse pas un gros potentiel, 15,22 à 15,65. Fait que je trouve qu'il est pas à point, je le considère pas comme un bel achat. NLSN. NLSN. Nielsen Holding, pour un short à combien? En dessous de ce support-là, qui sera en plus un nouveau bas. Donc, laissez-le se stabiliser, puis quand il va décrocher en bas de ça, ça va être dans le coin de 19,75 à peu près. Dans une tendance baissière comme ça, ça aurait été aussi un excellent moment de le faire à 22$, là, quand il a brisé ce support-là. Donc, quand on a des sommets plus bas, puis qu'en plus, il brise son support, ça aurait été un vrai beau moment là. Donc maintenant, il pourrait rester quelques jours accroché là, puis c'est quand il va vraiment décoller, après une pause de 2-3 jours, quand il va décrocher à 19,75. ACA,
Toronto Air Canada serait-il un achat? ACA, c'est pas un Air Canada, ça. ACA. Non, c'est AC.A. Non, je pensais qu'il existait, mais c'est AC Air Canada à Toronto. Pas tant qu'il ne passera pas cette longue résistance-là. Ça fait, écoutez, depuis le début d'août. Il est là depuis le 8 août, là, qui est à côté là. Donc, tout le mois d'août, tout le mois de septembre, puis une bonne partie du mois d'octobre. Donc, au-dessus de 45 piastres. Merci beaucoup pour les analyses de titres de façon indépendante et neutre. Merci de ton bon travail. Bien, merci, Serge. LABD, acheté hier, 26,32. LABD. Donc, 25,50, il y aurait un point de sortie. Puis d'un autre côté, s'il traverse juste ici les 26,80, bien là, vous allez au moins aller probablement à 28. Là. Qu'est-ce qui fait les secteurs américains? Bon, je pense que l'histoire n'est peut-être pas encore finie. Vous voyez que c'est une belle... la tendance, elle est baissière, la LABL de XBI. Ça fait que, donc, si XBI vient décrocher ici, bien là, vous allez être in the money. Donc, 26,32, puis LABD, il vaut 26,28. Donc, je ne peux pas vous dire de mettre un stop à votre prix payé, mais on pourrait dire, je pense qu'il ne faudrait pas aller plus loin que 25,70, là. OK? Par en bas. Mais je pense que vous avez quand même une bonne chance de le voir décoller là. Peut-être même cet après-midi. Cabo, New York. Cable One. Compagnie de câbles surévaluée. A-t-il brisé sa tendance haussière? Non, il n'a pas brisé sa tendance haussière. Puis dans le fond, il faut qu'il traverse la tendance. Puis après, le support qui suit la ligne de tendance, OK, c'est ici. Donc, sa tendance serait vraiment inversée à 1165. Mais il y aurait quand même un premier signal avant-coureur à 1228. AQN, acheté il y a 3 jours. C'est Algonquin. Acheté il y a 3 jours. Votre opinion, si je garde ou je vende? Bien là, le secteur des services aux collectivités, il est en correction aujourd'hui. Donc, acheté il y a 3 jours, 1, 2, 3, vous l'avez acheté là, direct sur le top. Logiquement, c'est à 17,75 que la tendance serait inversée, qui est quand même encore pas mal plus bas que ça. Il y aurait un autre point négatif, c'est s'il traversait les 18 et 20, là, ça veut dire qu'il se rendrait au moins à son 17,90. Je ne sais pas trop quoi vous dire dans le cas de cette position-là. Moi, je pense que je la fermerais si la tendance s'inverse. Là. Pour l'instant, c'est un sommet qui est encore plus haut que les précédents. T'sais, fait que, on ne peut pas dire que le titre est très, très négatif. C'est juste le seul hic dans votre affaire, c'est que quand vous l'avez acheté, s'il y a 3 jours, là, c'est 1, 2, 3. Okay? Donc, ça veut dire que vous l'avez acheté la 3e journée de sa hausse. Ça fait que c'est ça qui était peut-être pas tout à fait à point. C'était votre point d'entrée. Maintenant, je pense qu'il faut être un peu plus patient. MDF à Toronto. Mediagriff, hein, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Mediagriff, ça a été intense, ça faisait de quoi, ça? Mais là, ça fait plus rien, là, cette compagnie-là. J'achèterai pas ça. CIA. Il était en élan baissier ce matin, CIA. Sur son support serait-il un achat? Bien, là, pour l'instant, il n'est plus sur son support. Là. Il vient de quitter un support, puis il s'en retourne sur le prochain support. Donc, dans un support dans une tendance baissière, c'est pas winner. OK? Le titre n'est plus en tendance haussière. Donc, dans une tendance baissière comme ça, acheter sur des supports, c'est trop risqué. OK? Pour l'instant, là, il s'en va vraiment par en bas encore. CP, prochain point d'entrée, c'est quand il va passer. Puis qui va inverser sa tendance. CP aussi, n'oubliez pas là, que CP a inversé une tendance de 1, 2, 3, 4, 5, 6,
de six mois. Il y a eu une tendance neutre pendant 4 mois. Puis là, il a passé à travers ici, donc le titre reste complètement négatif. Il faut vraiment attendre le changement de situation pour ça. SIS, ton analyse, Savaria. Bon, Savaria, tant qu'il n'inversera pas complètement sa tendance baissière, ce qui se produirait environ à 12,70, on ne devrait pas acheter ça. HND et UNG, peuvent-ils descendre? Ah bien là, c'est un des deux, là. C'est le contraire. HND, ça fait le contraire de UNG. UNG, c'est le gaz, OK? Puis UNG fait la même chose que U-Gaz, OK? Donc, c'est quand UNG descend que HND monte, OK? Puis là, bien, vous voyez, là, dans le moment, HND, il monte parce que U-Gaz descend à U-Gaz, puis à UNG, c'est, il se comporte exactement de la même manière. Ça fait que, donc là, dans le moment, on verrait, on va voir sur HND une hausse à cause de ce que le gaz est en train de faire, OK? Donc là, HND pourrait être considéré là, comme un petit point d'entrée, rien de très, très fort, là, mais il y aura un point de sortie en catastrophe à 8,20$. Vous avez 40 cents de jeu, donc quasiment 5%. NM, c'est sûrement américain, oui, NM. Bon, NM, il a repoussé, là, il avait décroché, mais là, il a fait un V-shape, puis là, il est arrêté là. 70 000 de volume, bien, un stock qui a peur de faire 500-600 000. Bon, il a inversé là, ce matin, il a donné 2 poussées, une ici et une là. J'ai juste que... Mon problème, c'est qu'il valait 3,87$ hier, puis bon, il est rendu à 5,30$ aujourd'hui. C'est un titre qui est volatile, là. Donc, entrer dans un titre volatile comme ça, ça nous met loin de notre point de sortie. Donc, si vous voulez acheter ça là, il faut quand même que vous mettiez une protection quelque part, puis vous allez avoir de la misère à vendre votre position si vous payez. Regardez, dans le moment, le bid est à 5, les acheteurs 5,14, 5,34. Il y a 20 cents entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, chose que j'aime pas ben, tu sais. En tout cas, moi, je pense qu'il a l'air beau, un peu plus solide que d'habitude, même si j'aime pas les titres qui font pas beaucoup de volume. Mais en tout cas, je mettrais un stop pas plus loin que 4,80 si vous embarquez là-dedans. Mais je pense pas qu'on devrait embarquer dans ça. COST, c'est Costco. Analyser le titre, potentiel pour un achat. Ben le titre est à la hausse, il est dans une tendance haussière. Je vois pas trop de problèmes avec ça. Il y a quand même beaucoup de résistance, mais c'est une tendance haussière. Ça fait que c'est un titre qui est quand même assez performant. Mais le point d'inversement serait 280 environ. Oui, en 280-281. Puis le titre est à 297. Fait que ça fait loin un peu pour un point de sortie, là. Donc, il faudrait imaginer. Vous voyez que là, dans son mouvement, là présentement, il est en train de faire une correction. Donc, je l'aime pas beaucoup, là. Je trouve qu'il est cher. Mais regarde, déjà, juste de là à là, là, c'est 297,39, puis 296, le point de sortie serait plus raisonnable si vous achetez ça que, tu sais, le point de sortie à 290, ça va faire quand même plusieurs dollars. Je mettrais un point de sortie à 296. C'est ça que j'ai dit, hein? 296, oui. Vette à Toronto. Vermillion. Bon pour un achat, il donne un bon dividende et il est rendu très bas. Bien, il donne un bon dividende, mais si vous recevez un dividende et vous perdez le capital, vous gagnez quoi? Le titre, il n'est pas beau, là. Il est vraiment pas beau. Puis, continuer encore à planter. Au moins attendre qu'il vienne à côté sur son support de 18,5. OK? Puis qu'après, ils viennent inverser, une fois qu'il aura frappé son support de 18,5, qu'il fera un inversement de sa tendance qui va continuer jusque-là, là, OK? Puis qu'il va inverser comme ça, là, OK? Mais ça ne sera pas à ce prix-là parce que ça va être plus bas. Mais moi, je pense qu'il s'en va encore plus bas.
trop tard pour des gaz, il n'y a pas un énorme potentiel, là, des gaz. Il y en a un petit peu, mais tu sais, il arrive à un support U-gaz, OK? Donc, des gaz aussi vont arriver à une résistance. Donc, quand UNG ou U-gaz vont décrocher en bas de ce support-là ici, OK? Support-là qui est à 12,75. Il ne me reste pas beaucoup de questions. GSY, on va continuer ça. OK, GSY. Potentiel pour acheter. Il n'y a pas de potentiel. Le stock a viré de bord à partir d'une double résistance. Il s'en revient sur ses supports. Je pense que ça va prendre un petit bout de temps avant qu'il aille décoller plus haut que ça. OK? Regardez, là, il a viré de bord à partir de la double résistance, puis là, il s'en vient vers son support ici. Donc, peut-être quand il aura atteint son support pour être un achat, mais dans le moment, ça n'en est pas un. PLC. Bon, ici, on a un mouvement un petit peu plus beau, Parkland Corporation, qui inverse sa tendance baissière sur encore un petit volume, là aussi, là, mais que là, il est juste en mouvement en plus dans le moment. Pas encore un stock intéressant. Regarde, 38 000 de volume aujourd'hui sur cette compagnie-là. C'est pas vraiment un ben beau stock, mais il y a comme 2 piastres de potentiel là-dedans. CNR, ça ressemble pas mal à CP, excepté qu'il est moins fort. CP, lui, a rebondi jusqu'à sa résistance. CN, non. Mais comme ici, encore une fois, attention, c'est une tendance importante qui a été brisée ici, là. Donc, il y a des mois de support, mai, juin, juillet, août, septembre, OK, qui ont tous été brisés à la baisse. Puis regardez, le rebond, il est pas ben fort, OK? Donc, il y a encore un autre signal de vente à 110,75 sur des CNA. Il n'est pas propice. RAY. Point A, Stingray Group, prochain point d'entrée, pas clair non plus. Il serait à 7,50, il décollerait là, mais il y a une résistance à 7,87. OK? Donc, puis une grosse résistance en bas de 8 piastres. Moi, je pense là que ça fait bien du stock à passer, cette résistance-là. Et puis, en tout cas, sur toute réserve, là, 7,5, mais préférablement encore mieux 8 piastres avant vraiment de voir que la résistance est inversée. OK, j'enlève le bord de question. Dernière question, GIB.A. GIB.A, groupe CGI. Bon, il y en a pour des lunes avant que ça devienne intéressant, ce titre-là. Regarde, lui aussi, il est sur une résistance et un support de plusieurs mois. Donc, il ne deviendra pas intéressant tant qu'il ne décollera pas à 107 piastres. Juste une petite affaire en passant. Vous savez, j'en ai déjà parlé avant, mais je prépare quand même un gros projet pour moi-même. C'est un petit exploit que j'essaie de réaliser. Le 2 novembre, c'est l'ouverture de la chasse au chevreuil. Je suis un grand fervent de ça, de chasse depuis l'âge de 12 ans. Et mon groupe d'amis aussi. Et j'organise la première chasse au chevreuil en direct de l'histoire. Ça s'est jamais fait. D'ailleurs, une chasse en direct, ça s'est jamais fait. Mais grâce à notre technologie, qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant Reflex Interaction, je vais être là pendant 3 heures de la grosse noirceur jusqu'après le lever du jour. Et j'invite tous les chasseurs à venir participer, rencontrer, discuter. Je fais ça pour les jeunes chasseurs qui veulent comprendre comment on fait pour devenir un chasseur avec un beau territoire, grand succès et tout ça. Puis je vais tout leur expliquer ça. Je vais avoir plein de photos et de vidéos hallucinantes. Et d'ailleurs, si vous allez sur ma page, si vous devenez mon ami Facebook, vous allez voir les informations. La page s'appelle Chasse en direct, justement. Vous allez voir les vidéos qu'on a mis sur qui roulent en boucle sur la page vidéo. Ce sont des images que j'ai prises il y a 3 semaines avec des caméras robotisées. Ils sont hallucinantes, ces images. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se revoit bientôt. Passez une excellente fin de journée.